Enfin, plutôt pour une suite d'une fameuse série qui a vraiment fait le buzz par Rockstar, développée par Rockstar, c'est Red Dead Redemption 2, en fait, puisqu'on a eu bien sûr le 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en gros, pour les gens qui connaissent pas, je pense que j'ai pas passé par là, parce que, bon, voilà, c'est une sorte de GTA à la western, on pourrait, en gros, si on voudrait le résumer, ben, on pourrait dire ça. Je pense que vous connaissez tous un peu, c'est vrai que c'est quand même un jeu qui a une très bonne réputation, qui est sorti quand même en 2010, soit ça fait 4 ans que cette série, enfin, que ce premier opus, en fait, finalement, est sorti et qu'on n'a pas eu réellement d'informations. Donc ici aujourd'hui, c'est pour vous parler à propos d'une date de sortie à propos du jeu Red Dead Redemption 2. Attention, pour l'instant, on n'a pas eu encore d'officialisation. C'est-à-dire que Rockstar nous ont pas encore dit, eh bien, s'il va avoir une date de sortie encore pour le jeu. C'est-à-dire que le jeu n'est pas encore officiel. On ne sait pas encore s'il y a vraiment un Red Dead Redemption 2 qui risque de s'attendre derrière tout ça. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif, le jeu Red Dead Redemption tout court est sorti en 2010. En 2012, donc en 2011, on n'a pas eu d'informations, mais en 2012, nous avons eu des informations puisque Rockstar a dit que nous ne précipitons pas pour faire des suites, mais cela ne signifie pas que nous ne reviendrons pas vers un jeu avec trois petits points. En gros, il parle en fait comme quoi ils allaient faire la suite d'un jeu qui a été, on va dire, qui a vraiment fait le buzz en 2010 par Rockstar, c'est-à-dire en fait, ça peut nous déduire qu'ils parlent de Red Dead Redemption. Attention, on ne sait pas pour l'instant, mais en juin 2010,